Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Poumtchak avec au programme un duo du nom de Mensch. Mensch, c'est Val Power, la guitariste, et Karine Divita, la bassiste, des filles qui font du rock, bien loin des considérations du genre, si tant est qu'il existe. À part ça, le duo mélange rock, kraut, pop, new wave ou électro, un son franchement classieux à découvrir tout de suite, Mensch dans Poumtchak.
comment ça s'est fait l'idée de dire bah ça y est, on va se lancer dans une formation à deux pour faire de la musique? On s'est retrouvés, on avait un mois, on était toutes les deux, il n'y avait pas de section rythmique et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bah, on ne peut pas arrêter comme ça et cette espèce d'urgence, ça fait comme un instinct de survie, tu vois, tu fais des trucs, enfin, je ne sais pas comment te dire, tu as le sang-froid en même temps, avec beaucoup de sang-froid et tout est arrivé comme ça en fait. Et puis après on a travaillé bien sûr, mais on a vu qu'il y avait quelque chose qui était là et du coup ça s'est fait très vite. Mais il y avait quand même des idées, vous vous êtes dit voilà on va faire du rock avec une... Non, c'est-à-dire que c'était pour pallier un manque de batterie à la base et puis plus simple, c'est encore des batteries électroniques. Tu trouves pas comme ça quelqu'un en très peu de temps. Et puis après oui, on s'est mis à réfléchir, mais en fait le son il est tout seul en fait, pas par accident mais quasiment quoi, en fait. Donc en fait il n'y avait pas de batterie, donc c'est pour ça que vous avez sorti cette fameuse boîte à rythme pour vous épauler dans tout ça. Quand j'étais toute seule, tu peux jouer seule, c'est quelque chose, mais là comme ça guitare basse ça n'allait pas du tout, il manquait la rythmique et on n'avait pas... On s'est mis à ça, quoi. On s'est dit, ben voilà, on va essayer comme ça, on verra bien après. Et en fait, il se trouve que l'essai a fait le son et en tout cas, on a travaillé dans cette direction-là. Comme disait Karine, on a écouté plein de musiques différentes et je crois qu'après, quand on s'est retrouvé à faire le groupe dans cet état d'urgence, on a aussi voulu y mettre tout l'amour de la musique qu'on avait dedans et qui va des choses, enfin on peut dire qu'il va du blues à l'électro. Je sais pas pourquoi aussi, on vous colle peut-être une étiquette punk ou en tout cas de cette mouvance-là. Alors, bonne fois pour toutes, est-ce que vous êtes des punks ou pas On casse les plateaux télé. Que tu verras après. Elles vont casser notre plateau télé. Tu verras plus tard. Tu l'as dit, tu devrais le faire. Parce qu'on est plus jeune. On est vieille, les gens s'imaginent qu'on a connu le mouvement punk. Alors que là, du coup, on n'était pas. Thank you.
y a une chose dont je voulais vous parler, le fameux débat qui va vous plaire ou pas vous plaire. On vous en parle souvent aussi, c'est tout ce qui est autour du rock de filles. Je sais que c'est un débat, vous êtes un peu à part de tout ça, vous en foutez un petit peu. Mais quand même, est-ce qu'il y a cette idée-là de rock de filles dans votre groupe ou pas du tout? Vous n'avez rien à voir avec ça et est-ce c'est, que... pas, c'est pas qu'on s'en fout en fait, loin de là, mais c'est juste qu'on, que c'est... Comment rester calme? Ça t'énerve, hein, tu ouais, vois? Oui, ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve parce mais qu'en fait, toi, si vas-y. Tu veux, cette question arrive forcément là. Tu ne l'aurais pas posée si c'était deux mecs qui étaient venus faire la même chose. Ouais. Donc, on n'en parlerait pas. Ouais. Donc, ça nous énerve d'en parler. Voilà. Ce qui est normal puisque je pense que pour la caméra, c'est pareil. On doit tout le temps te poser la même question. En fait, il faut toujours que dès que tu es une fille, tu expliques ce que tu fais et puis... Pourquoi t'es une fille, tu fais ça? Donc ça, c'est un peu fatigant. À côté de ça, Karine, je t'ai entendu dire des choses comme que t'avais été beaucoup marquée, ou en tout cas marquée par des filles, des instrumentistes qui jouent de la musique. Donc c'est qu'à côté de ça, c'est pas non plus anodin, non? C'est pas anodin. Puis ça ne pourra jamais l'être. Moi, j'ai eu envie de jouer parce que j'ai vu d'autres femmes jouer. Et que, parce qu'on se dit que c'est possible, que voilà, c'est un milieu qui était masculin, tu vois des filles jouer, défendre la scène, la scène Riot, tu te dis, ben voilà, on peut le faire. Après, c'est dans le fond, à la fin, c'est fatigant tout le voilà. temps. Voilà, en fait, c'est ça, pas du tout qu'on... Ça nous a mis le pied à l'étrier. Après, on aimerait voilà, juste que... Sortir de tout ça. Voilà, on sortir, c'est-à-dire que ça nous a montré que c'était possible. Et puis, une fois qu'on le fait, on ne pense plus. C'est vrai que comme on est souvent en balle, on ne se réveillait pas le matin en se disant, tiens, je suis une fille, je fais du rock. We'll
Dernière chose, je reviens sur tes expériences solo, Val, et peut-être Karine, si tu pourras en dire un mot. Quand on parlait de ta musique avant, dans les différentes interviews qu'on faisait toi, on a beaucoup évoqué le terme de rage, cette rage qui sortait et des choses qu'il avait exprimées. On en est où aujourd'hui dans Mensch et de cette rage-là? Est-ce qu'elle évolue différemment? Si elle n'est plus là, ça je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. Donc, oui, elle est toujours là. Elle est toujours là, mais elle est un peu plus forcément moins apaisée parce que... Parce que on vieillit, mais il paraît que ça se voit quand je joue encore, que j'ai l'air un peu un peu en colère. Non, mais peut-être qu'elle est plus canalisée. Elle est plus canalisée aussi. Ouais. Elle est moins, mais elle est toujours là. Vous allez voir, TLM.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Pour information, les titres des matchs sont téléchargeables gratuitement sur leur site internet. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un Pumtchak en mode électro. Ciao. Vous êtes des animaux.